Je n'ai pas saisi la dimension pragmatique de l'énoncé phrastique complexe. On va se marrer. Hein. C'est de travailler sur des solutions pour l'inclusion numérique. C'est un outil qui permet d'aller chercher les publics très éloignés du numérique pour leur permettre de monter en compétences et donc d'avoir accès à toutes les opportunités qu'offre la société à l'ère du numérique. Avec dans l'idée que tout le monde ne soit pas obligé d'utiliser le numérique, mais que personne n'en soit empêché. Nous, on avait à cœur de permettre que chacun, au sens propre comme au sens figuré, fasse société à l'ère du numérique. Et donc le format qui nous a semblé pertinent pour ça, c'est de le faire dans une logique de coopération, donc sous forme de coopérative. Être très clair sur l'enjeu d'intérêt collectif. C'est-à-dire que, en fait, si les gens se réunissent en dehors de cette approche-là, ça se craquelle inévitablement, quoi. Donc il faut vraiment que tout le monde souscrive à l'intérêt collectif. Souhaitable, soutenable, durable. Souhaitable, ça veut dire qu'on a à cœur de créer des solutions qui correspondent vraiment à des besoins. Soutenable, ça veut dire qu'on a intégré la réflexion sur les modèles économiques, comment faire en sorte que les valeurs créées soient équitablement réparties et partagées. Et durable, l'idée, c'est que ce soit des modèles qui deviennent un peu des standards, que ce soit des logiques partagées. Par exemple, nous, on est dans le numérique, et bien, l'innovation, ça a été de réintroduire du papier. Parce que les personnes qu'on prétend toucher, qui sont très éloignées du numérique, eh ben, ils n'utiliseront jamais une application pour trouver de l'aide, parce qu'ils ont besoin d'aide pour utiliser des applications. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Oui, je me sens bien dans ma cible.